petite publicité les gars, est-ce que tu connais les toutes dernières vestes chauffantes? Oui, chauffantes, des vestes 2.0. Grâce à ça, c'est fini l'hiver où tu vas avoir froid. À l'intérieur, ça va te réchauffer. Il y a 3 types de températures et c'est super rapide et ça réchauffe à 360. Tu peux aussi les laver à la machine sans risque. Regarde, le tissu est extensible de haute qualité. Super facile, tu as juste appuyé sur ce bouton et ça s'allume, c'est rapide. Waouh, c'est parti! Regardez la clé, ça à l'intérieur, c'est ça qui va chauffer. Ça va réchauffer votre dos, c'est un truc de dingue. Les vestes chauffantes, quand vous êtes en scooter ou que vous marchez, le froid c'est horrible, mais avec ça c'est bon. Ça va te réchauffer tout à l'intérieur, c'est de la technologie. Soit bébé fonce, c'est déjà moins 50% sur le site, plus mon code promo, ça fait double promo à moins 70%. Allez, dépêche-toi, soit bébé achète! Allez, fonce, c'est maintenant ou jamais parce que ça part comme du petit pain. Ça va te réchauffer, je te le garantis. Et regardez, il y a que des bons retours sur le site, donc dépêche-toi, mets mon code promo parce que ça fait une double promotion. Allez, soit bébé fonce, c'est maintenant ou jamais, regarde, ça coûte pratiquement rien. Swipe up et achète, swipe up! Apparemment, le cousin de Souraya a un casier judiciaire. C'est un bandit. Vas-y. Il est pas là, mais s'il te plaît, écoute-moi. Arrête de chercher la merde. Je t'attends, frère. C'est qui ton gars? C'est mon cousin. Ok, il mesure à combien? 1m combien je peux le défoncer? 1m90 et 108 kilos. 1m90, 108 kilos? Mais c'est pour ça que écoute-moi, je viens de Corse. Hey, toi, c'est qui on était des marrondis, bon, fais pas le malin. Écoute-moi, je suis la protection de Sébi, Dadi. Je viens de Corse, je suis dangereux. Je suis dangereux, attention à qui tu parles. Hey, commence pas à faire le coup avec moi. Demain, je viens dans le 16ème, tu vas voir qui tu es. Je crois que tu sais pas, je crois que Soraya t'a pas dit qui c'est. Mais attends, comment ça se fait que tu vas dans le 16ème? Comment tu sais que j'habite dans le 16ème? Comment tu sais que j'habite dans le 16ème? Parce que tu crois que je suis qui? Soraya, je la connais sur Snap. T'as la localisation de Soraya sur Snap? Ok, écoute-moi bien, demain j'arrive à Paris. Je crois que t'es pas prêt toi. Ah, je suis protégé par les Corses. T'es pas prêt. Attends, je te passe mon garde du corps. Écoute-moi, je viens de Corse. Attention à qui tu vas faire, je te le dis moi. Je te le dis. Écoute-moi, je viens de Corse, attention à ce que tu fais. Soraya, tu m'entends ou pas? Dis-le à ton pote. Dieu qui je suis, tu vas voir, il va m'en rigoler demain. Oui, non, mais t'inquiète pas, je... Merde, bah, il fait le malin avec moi, non, bah, alors lui, bah... Je suis dans la merde. Je suis raccroché, ça va pas, encore pire. Il faut jamais raccrocher au nez un mec de quartier, quand même. Mais c'est un mec de quartier. Mais oui, c'est un mec de quartier, mon cousin, t'es un fou ce que tu fais, ça. Fallait pas lui parler comme ça, tu fais n'importe quoi, là, t'es en train de mal gérer le truc. Je suis dans la merde. Il va débarquer demain, il va ressembler avec toi. Il va me casser la gueule. Il va me tabasser, ça, faut faire attention à ce que tu dis. Il va me tabasser. Sur tes propos, il va tabasser, tu fais n'importe quoi là, ça franchement t'as mal géré le truc, je te faisais quoi. Ça tape à la porte depuis tout à l'heure. Non, c'est pas ça, c'est pousser, il a dû monter de Marseille. Putain, non. Maintenant, c'est pas possible, c'est pas lui. C'est chaud. J'ouvre la porte, bas les couilles. Non. Livraison Market Night Express. Ah oui, Market Night Express, il livre à n'importe quelle heure, c'est trop bien, regardez. Ils sont toujours là pour me sauver la vie la nuit. Grâce à sa Mercedes super rapide, il te livre en moins de 15 minutes en toute Île-de-France. Regarde, des bonbons, des canettes, il y a tout. Oui, tout ce qu'il te manque la nuit qu'on peut pas te livrer, il va pouvoir te livrer. Regarde, c'est incroyable, des canettes des États-Unis, des canettes Chupa Chups que personne n'a. Dépêche-toi. C'est bien évidemment en Île-de-France qui livre. Donc dépêche-toi. En plus, ça n'en prend même pas 20, 15, 10, 30 minutes maximum. Soit pour voir un message, dépêche-toi. Si tu viens de ma part, bien évidemment, tu as une canette offerte pour les 100 premières commandes. Donc dépêche-toi, il y a même des glaces pour regarder ton Netflix dans le lit. Dépêche-toi, sois up et envoie un message rapidement. Et ils font aussi la livraison de chicha. Eh oui, chicha, salam alaikum, vous allez kiffer les gars, dépêchez-vous. Super est à Paris et maintenant, ils se mettent à livrer dû au coronavirus. Et ça va être ça pendant toute l'année, ils livrent absolument tout. Tu swipes, tu leur envoies un message et bien évidemment avec moi, ils auront une canette offerte, on est d'accord? C'est ça. Une canette offerte pour les 100 premières commandes. Donc swipe up et envoie vite un message, ils livrent tout. Allez, dépêche-toi, swipe up et fonce et envoie un message. Swipe up, envoie un message. Offre spéciale Sébi Dadi, tu as une canette offerte pour les 100 premières commandes. Check it out, yeah. Bon les gars, depuis que Soraya est enceinte, il n'y a que des problèmes entre ma famille, ma mère qui n'accepte pas Soraya et le cousin qui veut me défoncer, moi et mon frère, parce qu'il trouve ça pas normal que Soraya est enceinte à bout de 3 semaines. Franchement, ça va mal finir. Demain, il y aura le cousin qui va venir de Marseille jusqu'ici pour nous embrouiller. Donc, je sais pas, les gars, si vous connaissez quelqu'un pour nous aider. Mais ce qui est sûr, c'est que restez connectés parce que demain, ça va encore mal finir avec le cousin qui va venir nous défoncer la gueule. Bonne nuit.
Drop the roof and let the smoke clear. Il n'est pas sorti de l'appartement tellement qu'on a peur son cousin et en plus il va arriver. Putain, je suis dégoûté. Je le fracasse en deux si cette pute s'est vite asile. C'est un gros. C'est un gros. C'est un gros. C'est un gros. 20 minutes, il est là apparemment. Il arrivera dans moins d'une heure, c'est sûr. Ferme tous les volets. Sortis à ton pote. Je te dis, fais-le sortir, s'il te plaît. Il m'a manqué de respect. Il manque pas de respect, mec, comme moi. Jamais de la vie. Vas-y, ferme. Ah, tu me connais quand je suis très énervé. Ferme vite. Je passe pas beaucoup de fois énervé, tu me connais. Et l'autre volet, dépêche-toi. Ferme bien. Même pas une barbe, je te démarre direct. T'as pas l'air de fatiguer là. On est enceinte, kilo, fils de pute. Merde. C'est ta faute, tout ça. Ah, c'est bon, c'est fermé. Il est fermé. Ta merde, c'est pas de respect comme ça. Chut. Rien à foutre. Prison, pas prison, bracelet électronique, pas électronique, ça n'a rien à foutre. Bracelet électronique. Mais tu vois, ça, tu t'as mis dans la merde. Il a un bracelet électronique, c'est un vrai bandit. Oui, c'est un vrai bandit. Tu fais tellement bien. Pourquoi tu l'as insulté? Va venir, va le défoncer. Calme-toi, là, tu vas goûter maintenant. T'as intérêt d'assumer maintenant. Il va venir, t'as intérêt d'assumer. Okay. Moi, je vais ouvrir la porte et tu vas parler avec lui. Non, t'ouvres pas la porte. Si je veux ouvrir la porte, t'es obligé de parler avec lui. Même moi, je suis dans la merde. Va me défoncer, tu te rends compte? Vas-y, t'inquiète pas, je vais arranger la situation, je vais sortir dehors, je vais discuter avec lui. Mais t'as intérêt à t'arranger avec lui, et tu vas parler directement avec lui, toi et Brian. C'est laisse-moi tranquille, c'est bon. J'attends qu'il arrive. J'en peux plus, parlez-toi. Bon, en attendant qu'il arrive, les gars, je vais faire un truc qui va me détendre non, et qui va me rapporter de l'oseille.